opération soude tout porte bureau l'État. Yon groupe citoyen dans département Sud-Est pays débarqué Delco Bossoudi. Yon marché sous des portes bureau l'État. Action ça passé dans commune Siot. Population fâchée, frustrée. Autorité yon là, yon pas utile yon anye. Eh bien, yon prend décision pour fermer toute porte bureau l'État. Frères et sœurs bien-aimés, ou pral chouen image. Rosemont Jean, encore une autre fois, débarqué devant la presse. Frères et sœurs bien-aimés, avili premier ministre Ariel Henry. Qui dit oui, pays pas gen kob, qui bloque l'école pendant 2 mois. Pendant la dit pays pas gen kob, la pa chete kaye, $700,000 dans Belleville pour nouvelle boubout l'il gagne. Dans même conférence ça, Rosemont Jean mette les États-Unis d'Amérique ensemble avec Conseil sécurité l'ONU, tout uni. États-Unis qui a proposé résolution contre gang dans le pays d'Haïti. Oh, li saisi ouais, yo pas mette non vite l'homme qui bloquait ambassade américaine. Et non seulement ça tout, li saisi ouais, les États-Unis pas mette non l'homme sans jou. Type ça, dans jour passé, qui t'a kidnappé 17 missionnaires, 16 américains, yon canadien. Et pour finir, Rosemont Jean passe prend député Quentin Bélisère qui te fait touiller journaliste Le Gagneur dans Grand Ravine dans année qui sont passé là. Et l'on j'ai doit li sous commissaire Richemont qui dans juridiction Okaïla qui t'a participé dans assassinat journaliste Gary après divers jours li disparaît, yo a joué une koa bol en main. Gros maladie, gros remède. Rosemont Jean mande peuple haïtien pour le marcher pour yet li pour yo remoquer premier ministre Ariel Henry dans tête pays a sinon pita capable pitris. Rale chez ou chita confortablement. Fou qu'on s'en mi et faut pas rentrer la caille ou c'est yon plaisir. Tout tripotaï sa yon bon timamit sans retirer et sans mettre. Bonjour, bonsoir tout le monde qui j'anouye. Encore une autre fois, m'a dit ou merci. Merci parce qu'on fait une confiance pour nous informer. Et merci pour fidélité ou ak patience ou. Merci parce qu'on like. Merci parce qu'on abonne. Et merci parce qu'on partage vidéo. Ça fait nous plaisir. Encore une autre fois, si vous faites tomber sous channel là, pas hésiter à activer cloche notification pour là pour pas rater aucune vidéo. Ses amis pao fou. Nous t'ai une chance présenter ou yon petit compte matin et compte ça qui c'était moins gessisé moins cassé dé moins cuidé moins manger dé. Merci à chaque fanatique qui t'a commenté réponse là c'est 4. Voilà. Donc si m'gen 6 c'est dé me cassé hein, c'est dé à me cuit et c'est dé à manger. Donc moi rete 4. Merci ensemble avec chaque fanatique qui t'a commenté, ça te fait plaisir. Un petit cric crac pour nous voir compte nous gagner grâce à moi-même libelle. Grâce à moi-même libelle. Pas hésiter à quitter éléments de réponse par là dans commentaire là, ça fait nous plaisir en pile en pile. Gros nouvelle. Mon amyo, bienvenue. C'est sous taxe 609 ou connecté n'importe côté où y est. Depuis où c'est haïtien, ou doué compte tout ça qui a passé en Haïti ou à l'étranger. Pas oublier, abonner, commenter, liker, partager vidéo pour travailler là, capable d'avancer. Zami Pao Foucault. Mesdames, mademoiselles et messieurs, j'en kemte annoncé ou, oh. Opération soude tout porte bureau l'État. J'en vois regarder image ça, action ça passé dans le département Sud-Est pays, dans la commune Siot. Population fâchée, frustrée, estomaquée, nervée. Dirigeant yon là, pas aucune décision yon kapran, yon pas utile yon anye. Eh bien, yon dit, yon mette fin ensemble avec City Rance là. J'en vois regarder image là, yon débarqué ensemble avec Delco yon. Bossa bon, ma kon kote yo jwenn gaz, et puis s'entende ya, yo tombe sous des barrières. Et yo soude yon moun ki pon so ka vini pou vi nouvel, mba kache dou kafe wap koule akma. Yo ferme bagay kon sa. Sou la ou pa itil mwen anyen, bien, map ferme l. Donc, kounya la, tout dirigeant, rechita la kayou, pa gen kote pou al passe tan fe zon. On comprend bagay yo. Eh bien, population prend décision le fermer puisque nous là nous pas utile là hein. Donc préférer li fermer ça, li konnen zè pa pousse là-dedans. Et puis li lage dans la nat si sou kote lese yo fè tout moun bataille pour tête ou chaque coucou éclairé pour jour. Donc voisine ça voye, je sou voisine ça. Et puis n'ap viv.
Parce que dirigeant yon là, pas aucune décision yon ka pran, yon là, c'est comme si yon pas la préféré, nous tout fait mes zones qu'on est pas là du tout. Donc, frère, c'est ça bien aimé, moun nan comme une siote, mais action yon nan beria, yon ferme bagay comme ça, yon pas nan rance, puisque autorité yon là, yon pas itil yon anye, c'est eux même qui relè, c'est eux même qui répond, pas gen support, pas gagné, eh bien, yon tout connaît moun sa yon, yon pas existé pour yon encore. Mes amis, bagay la triste. Et ça fait mal, frères et sœurs. À la honte. Jusqu'à présent, pas gen aucun pays dans le monde qui levait si douette yo pour dire, eh bien, comme étant donné dans le jour passé, yo, une résolution qui te voté, ça n'a pas fait pour Haïti. Pas aucun pays jusqu'à présent qui levait si douette yo pour dire, oui, eh bien, pas de problème, non? Tout pas m'en prêt, oui, pour me voyer. Parce que, pas oublier, frère, c'est ce bien-aimé, les l'ONU a voyé force pour venir mettre sécurité dans un pays. C'est tout pays dans le monde qui voit un petit groupe, un petit groupe, un petit groupe, et puis, ils viennent mettre yo ensemble, et puis, ils lagent dans le pays, ils sortent derrière, puis, ils balayent ou ils nettoyent, tu comprends? Jusqu'à Kounia là, pas aucun pays, pas aucun dirigeant dans le pays qui dit, trop moyen prêt, oui, pour voir dans le pays d'Haïti, pour venir mettre sécurité. Donc, depuis bien avant, la France te capable dit, non, 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 ça va. Non, m'a regardé pito. M'a obtenu résultat. Non, non, m'a pas voir tout. Depuis commencement discussion, la France te dit, non, 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 je ne veux pas, je ne veux pas. Dégagez, non. Moi là, m'a suivi, mais moi même bagué tout pour me voir dans le pays ici là. Canada lui-même l'a fait réticence. Moi, ça me dit là, l'a fait il a go caché ensemble avec nous. Et tandis que dans le jour passé, il désolé prêt pour voir force, mais qui pas de rapport avec l'ONU. Brésil lui-même, il a eu l'élection pour le gérer, il n'a pas envoyé tout dans le pays d'Haïti, côté le cas gérer des stress à la fois. Et, mes amis, et pour les États-Unis lui-même, qui était dans le mi-temps, l'a gardé ou l'a gardé, il n'a pas oublié l'élection pour le faire aux États-Unis, tout. Donc, dirigeant dans le pays États-Unis, yo même demandé est-ce que CARICOM pas ta prendre responsabilité à ouais ça le café comment te ka mettre sécurité parce que Haïti c'est une norme bio ouais ça le café en bas parce que yo même yo qui affaire pour aller régler tout yo pas ka trop chaud devant man. Donc frères et sœurs bien-aimés, actuellement là pays d'Haïti c'est sorti dans pied ça tombé dans pied ça on samdoula marel lago caché ti passe yo fak pays d'Haïti et c'est moun sa yo dans conseil là qui t'a dit oui les haïtiens n'a soutenu yo bagaille la di faut que nous agi vite pression ouais on marche pression on dirait demain matin pour t'entendre parler des bandits. Et bien frères et sœurs bien-aimés, jusqu'à présent dans chaque pays ensemble avec physio campé sous côté yo gen occupation la caillou donc quand yo dit nous dégager nous ouais ça ne ka fait bataille pour tête. Donc ça fait triste frères et sœurs bien-aimés pour regarder yon bande moun ki nan gouvernement nan jou passé yo yo t'a dit ou yo capable c'est opposition responsable yo t'a voye message bay communauté internationale là ça fait longtemps pas ton petit message comme ça n'a voye dit international là nous ka gérer pays nous pas besoin nous fourer bouche dans affaire pays d'Haïti c'est haïtien qui pour gérer mais ça qui passe qu'on y a là c'est même haïtien cap voter résolution pour force étrangère vienne rentrer mettre sécurité puisque nous pas capable situation en dépasser nous mesdames mademoiselles et messieurs nous rappelons nos déclarations André Michel le Jovenel Moïse de là sous cause communauté internationale ça en nous suivant ensemble communauté internationale pas fait ingérence dans affaire pays aujourd'hui communauté internationale quitter haïtien haïtienne travaille ensemble pour chercher une solution dans la crise là. Nous condamnons l'ingérence de la communauté internationale. Parce que si blanc, c'est ça l'a fait là, l'a continué à pousser le premier ministre, l'a pousser le gouvernement, ça pral mettre le pays en plus crise, ça pral mettre nous dans une situation d'instabilité politique, parce que personne ne peut accepter que ces communautés internationales là qui viennent by dicter, qui pour dire qui ça qui pour faire, parce que les Jovenel t'a crasé toute institution dans le pays, la communauté internationale pas dit rien. Les Jovenel mandat t'est fini 7 février 2021, ils font coup d'état, ils ont le pouvoir par la force, communauté internationale t'est bébé, ils ont avec lui. Aujourd'hui, si nous avons une situation exceptionnelle, côté pas aucune solution constitutionnelle, communauté internationale là, les responsables, même gens avec Jovenel Moïse. Communauté internationale là complice,
parce que yo te mettent ensemble avec Jovenel pour écraser toute institution. Yo te mettent ensemble avec Jovenel pour faire un coup d'état 7 février 2021, le mandat Jovenel Moïse est fini. C'est ça la vérité. Et cette vérité, personne ne peut pas gagner, pas qu'à quitter le tombé. Jodia, secteur démocratique là a travaillé avec les différents secteurs de la vie nationale, secteur politique là. Matin, nous faisons une grosse réunion avec eux. Demain matin, nous avons une grosse réunion. Nous travaillons tout avec la société civile là pour nous capables de proposer à la nation haïtienne, sans délai, le plus vite possible, une formule pour nous résoudre la crise politique qui est là aujourd'hui. Et le secteur démocratique là a redit encore. Pas qu'il n'y a aucun groupe politique qui est capable d'imposer aucune solution là. Solution 1, c'est entente, c'est consensus, c'est compromis. Pas qu'il n'y a aucun groupe société civile qui a autorité pour proposer aucune solution. Quel que soit groupe société civile, ou bien groupe politique qui met en tête, il a levé un matin pour le dire, voici la solution, il trompe, ça ne peut pas marcher. Et ça fait nous-mêmes nous dit, nous pas attachés à aucune solution particulière. Nous pas attachés à aucune proposition particulière. Nous voulons une solution consensuelle pour nous tous ensemble, pour nous capables de sortir du pays à nous allier là. Combien de cadavres vous nous gagnez pour grand cimetière rempli? Combien de kits pour nous gagner qui cagère de l'eau la pli? Combien de partis politiques qui obligent nos partis? Combien de nous cap étudier pour nous aller gratter senti? Combien de nous cap écrire règles qui dérèglent? Oh my god, oh my goodness, mais, t'as le kounya là, l'international pas fait ingérence comme être mimi. M'saisi, ouais, oui, ministre! Ministre! André Michel a signé. Mande aide, frères et sœurs. André Michel, c'est seul porte-parole gouvernement, il est responsable dialogue. Aïe, oh papa. Un petit proverbe créole qui dit ça, l'homme fait l'homme, bon Dieu, ça, et ça qui a passé là. Non, quand c'est ça bien-aimé, dis-moi bien. Ça qui fait pourquoi jouer une solution crise là, parce que c'est Haïti et Haïti, ça qui passe dirigeant jusqu'à présent. Non, ça qui passe qui fait problème et stabilité à pour qu'on résoudre. Non, je le dis, c'est nous qui demandons des blancs, s'il vous plaît, ben nous dicter. professeur Maniga, tu as raison. Monsieur, vous avez une volonté pour vous esclaves. Vous avez une volonté, vous attendez le blanc. Vous écrit le blanc et puis vous croisez pied. Vous attendez le blanc pour venir mettre sécurité. Oh my God. Communauté internationale. Pas fait ingérence dans affaires pays à Jodia. Communauté internationale, quitte haïtien, haïtienne, travaille ensemble pour chercher une solution dans la crise là. Nous condamnons l'ingérence de la communauté internationale. Parce que si blanc, c'est ça l'a fait là, l'a continué à pousser premier ministre, pousser le gouvernement, ça pral mettre pays à dans plus crise, ça pral mettez-nous dans une situation d'instabilité politique parce que personne ne peut accepter que ces communautés internationales là qui viennent dicter qui pour dire qui ça qui pour faire. Nous pas besoin de communauté internationale ben nous dicter. Et puis je ne j'en dis assez. Nous disons mes livres là, oui, ben nous dicter s'il vous plaît. Haïtien tellement bizarre, drôle, pour bien dire la plus panne. Frère, c'est ça bien aimé. Si vous entreprenez une activité, activité à bral gen kob, immédiatement yon rive dans ligne qui gen kob la, yon leve projet yon al pote le bayon, un gros en lait qui gen koule pour le gérer l'argent. Non, nous trop bon moun. Communauté internationale, pas fait ingérence, pas fait ingérence. Ap signe woy, mette premier ministre ou. Je ne j'en dis à qui est-ce qui mette premier ministre. Nous capables, nous, ça que fait nous pas prouver ça nous ka fait. À la traka pour la veka était papa ici, son j'aime dit nous, c'est rat kaye, kap manje pay kaye. Veyo, parce que traite yo là bas mieux, c'est eux même qui empêche nous sortir là, arriver là. En responsabilité ou, si span vote fatra, et dans tête pays. Quand c'est ça bien aimé, j'en comme t'es annoncé ou, et bien, heureusement, Jean, débarqué devant la presse, dit en pile cause. Donc, nous pral parler ensemble avec elle, pour le dire nous, ça que les gens ont déjà écouté.
Osmond Jean, bonjour. Pour qui ça vous présente devant la presse, parlez ensemble avec la population haïtienne, s'il vous plaît. Premièrement, pour nous dénoncer ce qui a passé dans la ville locale. Et pour si pour nous, c'est parti nous, solidarité nous, à famille, amis, camarades, journalistes, garuetes. Que tout le monde, à travers le pays, à travers les médias, à travers les réseaux sociaux, nous avons constaté comment, d'après tout ça qu'a dit, comment la justice, avec soi-disant chef de poursuite dans ville Okaï, a participé à assassiner un journaliste. Stop, 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 mon frère. Commissaire Richemont a participé à tout le journalisme. C'est quoi l'histoire, leader? Allez, dis-nous plus. Parlez-nous un peu de journaliste Gary. Qui est-ce qui est souple? Parce que la population a besoin de comprendre. Gary Etes, qui est animateur émission Grand Lacou, vedette, il y a un monde qui participe dans la pile mobilisation dans quatre batailles qui nous menées là. Nous pensons que c'est trop. C'est assez. Chaque fois que le journaliste mourit, nous sommes déplorés, nous sommes condamnés, et puis ça arrête là. Et puis nous attendons l'autre encore. Nous dénoncer la situation de répression, d'intimidation que le pouvoir Ariel Henry a joué une bénédiction dans la communauté internationale là, pour faire mon peur. Et vous estimez, le premier secteur qui vous fait peur pour peur qui arrive sous la population, c'est sous la presse, c'est sous les journalistes qui sont là. Donc, à constater comment la police tire sur un journaliste, caméraman, télénational. Il crase la caméra en bas coup de balle. Peut-être que c'est bon Dieu qui fait, je dis, à nous parler au deuxième journaliste qui est mort. Dieu merci. Il n'y a pas de cartouche là. Parce que pas Boris, l'autant de yon gros tête tombé, dirigeant au doué ou un seul bagay, yon tweet, je condamne énergiquement et puis au finance en avant. Pas de enquête, pas de aucun poursuivi qui a fait. Ok? Donc, comme étant donné, assassinat journaliste Gary, pas vraiment paraît différent ensemble avec assassinat Vladimir. Est-ce que vous avez quelques détails sur le journaliste Vladimir, comment il est mort, puisque nous connaissons où fouiller la zone en Kalalou, en pile dans le pays d'Haïti? Là, vous avez assassiné le journaliste Gravine, comment vous avez dit? Le gagné. Dans la conférence, vous dit tout le pays, le gagné, vous avez dit, le gagné à Gravine. Et les gens qui mettent le monde, ils ont dit, vous connaissez, ils ont dit, le gagné. Lui est le printemps Belize. Waouh, ça dit là, printemps Belize, oui. Ça veut dire, c'est lui-même qui passe l'ordre, même dit tout les journalistes là. Effectivement, printemps arrivé, il dit, si vous quittez Michel Allais, il va bon pour vous, il va bon pour vous. Les gagnants, ils rachètent les gagnants, ils mangent. Et puis, puis devant, même député, ça prend le capé, dans la chambre de député, il va dire lui-même, c'est mon raché. Il va dire, le premier, c'est raché, le raché. Il veut aussi aller là-bas tout le pays. Oh oui, oh oui, oh oui, me rappelle le dossier ça. Me rappelle le dossier ça, effectivement. Il te dit ça vrai. Et puis c'est moun ça qui a cherché solution pour la crise là. Contre l'insécurité, qui a fait une conférence, conseil insécurité dans le pays d'Haïti. L'État n'a pas pris responsabilité. Tu comprends? C'est le pays. Non. Ça n'a pas empêché que il fait partie des accords. Hein, qui a cherché solution, qui a cherché une sortie. Dans la crise, il y a un consensus, frère, ça bien aimé, pour retirer Haïti dans sa lié là. À la traque, vous l'avez été. On ferme sous dossier ça, on tourne sous dossier journaliste Gary, s'il vous plaît. Comment pour Gary Retes, animateur journaliste,
dénoncé que la civile menace dans la police. Dans la main, comment on s'appelle, les compères. Dans la main, Richemont. Et puis, effectivement, ils ont tout les journalistes. Ils ont la gueule dans la main. Nous, même matin, c'est pas ça qui a passé dans la ville de nous bien contents. Sous tout gouvernement qui passe, il y a des droits humains. Et puis, sous Ariel Henry, il y a dissout ça, il y a des droits humains. Pas des droits humains, sous Ariel Henry. La police joue un champ libre. Nous comptons, sous tout gouvernement qui passe, il y a des inspection générale de la police. Là, un policier font bagaille, rapidement, tant d'inspection générale saisie. Mais pour aujourd'hui, pas d'inspection générale. On va mettre un peu de plainte. Parce que il y a un champ libre. Depuis c'est pour Ariel Henry, tout ça que fait légal, tout ça que fait normal. Kaka pour la avec Haïti pas Borisite, son bagage extraordinaire. On retourne sous dossier commissaire Richemont. Donc qui ça vous pensez qui était capable de faire commissaire à ta participer dans assassinat journaliste là? Richemont qui était ouais, il était mettre manifestation de York pour lui, il sentit tellement célèbre, Richemont vient tourner un petit bobo dans le sud. Mais je dis à nous, petit bobo dans le sud, qui est Ronald Richemont. Ronald Richemont, nous entendons qu'il fait une action contre Chito, militant, ancien militant Lavalas, qui ancien militant tête calée, qui rentre dans la bataille pour voir Ariel Henry aller. Et c'est peut-être ça, Richemont qui besoin d'être zélé par rapport avec Ariel Henry. Eh bien, nous mettons ensemble chef d'accusation sous d'origine et sous d'Ochito. Ça n'a pas dit dans ça. Monsieur tellement mal, il va nous compte comment il fait mal. Parce que l'homme fait mal, vous faites pour faire mal, puis vous félicitez. Et puis, waouh, next, ça, son est qui compte faire mal, il bien fait mal. Richemont n'a pas commis ce gouvernement. Il dit, Chito joue dans les cabrites, Chito dit, Chito attaque la même fois. Et puis, il fait action dans le tribunal correctionnel. C'est lié à commissaire gouvernement et puis c'est lié à parti. Ça veut dire, je dis, il y a deux dossiers. Commissaire Ronald Richemont impliqué au CAI, sans pas demander la démission, sans pas besoin de révoquer, lui-même lui fait pour mettre tête à la disposition du tribunal là, pour que le tribunal là capable d'entendre. Comment pour le tribunal là entendre? Un, il n'y a pas qu'à mener enquête. Sur un dossier qui est indexé. Richemont, en tant que commissaire gouvernement, en tant que chef de poursuite, c'est lui qui a pu mener une enquête pour connaître comment journaliste Retes Gary fait disparaître, là, or c'est lui qui est indexé. Puisque c'est lui qui est indexé, il n'y a pas qu'à juger parti, ça veut dire qu'il fait pour mettre à la disposition la justice pour autant d'eux. Deuxièmement, si le commissaire gouvernement il faut action dans le tribunal correctionnel contre camarade Chito. Il n'y a pas qu'à juger parti. Parce que le commissaire gouvernement, c'est lui qui va soutenir l'accusation contre prévenir. Ça veut dire, ou pas qu'à soutenir une accusation contre le monde qui en a faveur. Ça veut dire, monsieur vit dans une situation côté il vient juger parti. À la traque, papa, pays a gen cause pour tande, oui. Mais dis-nous comment bataille là parce que tout dernier moment yo là toujours à mobiliser population pour sortir dans manifestation qui feedback dans qui niveau nous yé journée aujourd'hui bataille arrive dans phase pour que au grand mot au grand rebelle depuis on est rentré dans phase tout yé journaliste tirer sur journaliste battre journaliste soit ça veut dire c'est journaliste là qui micro c'est lui fort ouais ça qu'a passé et bien depuis il mettait mon dans une situation d'intimidation et bien c'est représailles à préparer. Bon, ou connaît quand même faut nous poser aux questions sous dossier ça. Donc dans jour passé yo l'ONU voté résolution et vous comprenez bagaille. Donc qui sont pensés parce que jusqu'à présent pas aucun pays qui fait partie de l'ONU qui lève de wetio dit au prêt pour envoyer troupes dans le pays d'Haïti ou vin mettre sécurité Jean gouvernement te voté une résolution. Ça qu'a dit nous sous dossier ça. Haïti mettait fonctionnement l'ONU en question.
Il mettait l'ONU dans une situation extrêmement difficile pour me dire Haïti craser l'ONU. Quand l'ONU a réuni, le Conseil de sécurité a réuni, le Conseil de sécurité n'a pas réuni pour empêcher pour Saddam Hussein dans l'Irak. Il va réuni pour demander de quoi il en est. Le Conseil de sécurité a impliqué dans l'assassinat. Mohamed Kadhafi, regardez ça là, les de l'ONU là. Conseil de sécurité a pris une résolution, il crée un bagarre en Haïti, il est puni, il partage le gouvernement à Jovenel Moïse. Pendant Haïti sous résolution Conseil de sécurité de l'ONU, il a assassiné le président ça, que l'ONU a travaillé avec lui en deux chambres. À la traque, vous l'avez qu'Haïti pas Borisite. Bon, qui dernier mot te gagné? Qui j'en comprend travail l'ONU, des marches toute journée, réunion qu'a fait sous nos pays d'Haïti? Comment comprend bagay yo? Est-ce que ou gon bagay sérieux qu'a fait ou bien tant yop fait passer? Bon, nous ti di mye. L'ONU, tellement senti que trois pays qui implication dans l'assassinat de Jovenel Moïse, l'ONU rentre dans une démarche pour faire tout ça au capable pour entériner. Question je. Tout ce que vous fait là, c'est diversion comment pour moun pas parler de comment nous comprenons? L'ONU réunit pour prendre résolution pour barbecue. Alors, par l'ONU, les États-Unis d'Amérique mettent en médecine. Premier monde qui n'a pas concerné. Par résolution, par proposition de résolution que les États-Unis prennent. C'est dans le bon 100 jours. Parce que vous avez dit l'organisation ça kidnappé 17 Américains. Comment je dis à Nations les États-Unis, après la résolution pour désarmer les bandits, pour arrêter les bandits, pour sanctionner les bandits, le bon 100 jours, l'organisation le bon 100 jours, pas fait partie priorité américaine. Non, résolution ça. Voici ma salle à comment pour Américains à préparer une résolution contre bandit. Jodia. Américains, pas pour une résolution, pas impliqué. Vite l'homme. Qui fait Américain pas qu'à faire comme dans visa. Bon ambassade devant la Cali, baron Cali. Nous n'avons pas capable de combattre américain, non, vite l'homme dans la résolution. Comment nous comprenons? Les États-Unis débarquent en Haïti à partir d'un quelques minutes. CIA, FBI. Les joignent Ariel Henry, qui fait partie d'un gang qui participait dans l'assassinat de Jovenel Moïse. Et puis, non, monde qui participait dans l'assassinat de Jovenel Moïse, pas dans la résolution. C'est là aussi qu'a dit 15 mois. Je ne peux pas dire rien pour Jovenel Moïse. Eh bien, ça nous comprend. Nous devons comprendre ça que fait yo indexé barbecue. Yo indexé barbecue parce que là, on a contacté barbecue pour te faire partie gang pour assassiner Jovenel Moïse. Barbecue te refusé. À la tracaboule avec Haïti. Non, bagay la grave, parce que pour qui ça sont celles non qui cite. Tandis que tout l'autre nous yon là, ambassade américaine la vraie se bien aimé, ferme porte, ça fait triste, d'être de ambassade, devant ambassade, yon kidnappé moun, adjé la vie ça. Mais, bon, on si détail sous barbecue, donc, qui est ce monsieur? Soleil, il descend route 9, il descend Brooklyn, et puis il dit, maintenant, l'État, les gars, fait comme ici. Barbecue a pas vili. A vili, n'est-ce pas? Il a vili. Il a dû estimer barbecue, mettez en danger. Intérêt oligarque corrompu. Voilà. Parce que, nous comprenons, si Américain a déplacé son bateau de guerre pour venir veiller uniquement intérêt budget sur la BAA, pendant ISO avec trois chaloupes à kidnapper, à processer, à tuer même sur la BAA, nous comprenons aujourd'hui à qui ça nous prend. Nous prenons les Américains. Oui. Ça veut dire que c'est peut-être ça matin, hein, nous faire conférence ça. Pour nous dénoncer de façon ferme, Nations Unies qui mettait avec l'État haïtien, qui bloquait 4 millions de personnes qui sont venus demain pour parler de l'école.
Ça fait Ariel pas retirer 100 gouttes ou bien 150 gouttes sous galon gaz là pour ta montrer de bonne foi, c'est parce que secrétaire général des Nations Unies, parce que pourquoi ça grave là, nous avons des structures prestigieuses à travers le monde qui t'a défendu droit à vous, je dis à réactionner à Paris. Ça veut dire je dis à Conseil de sécurité 15 pays ça en pile dans yo, ce sont des réactionnaires qui prennent institution ça en otage. Je dis à pas de démocratie, yo pas défendre droit, yo pas défendre liberté, yo pas défendre pas faire droit soumis encore. Ça que t'a dit secrétaire général Nations Unies t'a bail conférence pour supporter un gouvernement qui mettait $64 sur un gallon gaz. C'est un scandale. Les États-Unis ne peuvent pas mettre $10 sur un gallon gaz pour ne pas avoir une citoyenne explication comment ça fait vivre là. Alors ce que la CAIP a nous, c'est que le secrétaire général des Nations Unies rencontre Al-Chita en France 24 pour justifier comme il prend Ariel Henry, il dit ça fait 4 millions de monde à l'école. Eh bien, nous finissons matin pour nous dire Peuple haïtien, va parler avec nous. Si nous avons on boue. Si nous ne pouvons pas, il faut débloquer le pays à Ariel pour nous être les rois. Ariel! C'est soit nous affronter Ariel. Parce que si nous disons pour Ariel aller, Ariel ne peut pas aller. Ariel, son moteur machine, son machine, gros vieux camion, 4 carottes chirées. Vous voulez bloquer ça? Écrasé. Pour débloquer l'Ariel, il faut qu'il y ait des gens qui viennent, remorquage qui viennent, qui pour remorquer Ariel Henry pour retirer l'espace là. Ariel Henry sont psychopathes. Criminel. Ariel Henry c'est réincarnation docteur Mengele. Pour moun qui fait étude, nous va regarder. Sac Mengele. Docteur Mengele. Son réincarnation. C'est un cynique. Son est insensible. Il n'y a pas de sang. Il n'y a pas de comprendre. Ariel n'y a pas de petit. Il n'y a pas de famille. Il n'y a pas de madame. Il n'y a pas de petit qui va occuper. Mais ça qui est important. Pendant après, Ariel Henry dit pas de quoi. Ariel Henry fait cacher ton caille en Dumbelville. $750,000 américains pour que les nains qui étaient dans le bouclier fassent place avec l'autre jeune femme. Dans Belleville 4. Voilà, voilà, heureusement, faut comprendre bagaille. Cette transition qu'a faite dans le pays, faut payer dans transité, faut payer dans goûter plusieurs gâteaux. Comprenez? Chaque tranche gâteau, faut le goûter. Faut le prendre si plaisir, faut le rajeunir. Alors, tu as qu'à vous laver Kaïté. Bon, un petit détail de Kaïté là, non, s'il vous plaît. Quand il y a la Kaïté, il fait qu'acheter. Pourquoi j'ai calé il y a crassé Kaila avec Piometé Tage. Et puis, pas de l'argent, il y a pour des gaz. 750 000 $ américains. Si nous voulons fouiller en cachette, nous allons très belle ville. Pas monter journaliste, nous allons belle ville 4. Osmila, il y a un appartement là-bas. L'acheter, lycée voisin. Osmila, il habite même côté. Mais Kaila Osmila, en de belle ville, Kounia. Mais Kaila Kléna, c'est Avel, Ariel Henry placé, le 50 Belleville, Vindo. Eh bien, fini pour nous dire, nous-mêmes, jeunes garçons et jeunes femmes, jeunes à mobiliser, prenons responsabilité. Combattons de plus d'action. Parce que nous ne pouvons pas tout mettre aujourd'hui pour nous, en nous mettre pour petit nous, pour nous forcer Ariel, permettre petit nous à l'école. Pour nous forcer Ariel, permettre la vie reprendre. Mes amis, c'est toute institution là qui a crasé, cette économie qui a fini. Nous ne pouvons pas croiser pour nous, parce que nous tous pouvons mourir. Nous tous besoin dans le ciel et puis nous tous les mouilles. Nous devons faire conférence matin. Un, dénoncer représailles qui ont fait sur la presse, par les presse écrites, presse télévisée. Deux, complicité communauté internationale à travers les Nations Unies pour pénaliser le pouvoir Ariel Henry là, pour justifier l'occupation blanc contre le pays. Trois, mandez-nous pour nous tous mettre ensemble pour nous construire une véritable action. Parce que je dis, on ne peut pas compter sur la police, pas compter sur l'armée pour débarrasser Primatia. C'est nous-mêmes qui pouvons mettre femmes et garçons dans la vie pour nous capables de permettre le pays à débloquer. Parce que si le pays n'a pas débloqué, c'est nous-mêmes, c'est petit nous, c'est petit nous. C'est nous qui avons perdu. Ariel Henry n'a pas gagné à perdre. Ariel Henry sont si psychopathes. C'est nous, matin, qui devons prendre responsabilité pour permettre la vie pour reprendre le pays. En tout cas, merci beaucoup, Osmond. C'était un plaisir. Bon courage et bon combat. Ariel Henry, frères et sœurs. Mesdames, mademoiselles et messieurs, insolite nous pour journée jeudi à nous. À la bagaille qui belle, l'or célibataire. Et puis, de temps en temps, je n'en tire relation. Pas ça me doit l'offre un petit goûter.
mouye mèchou, mouye bouchou, mouye salivou. Madame, on y a fait tijouette. Et pour rentrer dans tijouette là, tout, vous avez un gars de ti vidéo ça ensemble. Oui. Oui. Bon. Merci à Chita. Il va même sous boy, sur le côté, vous avez fait tilago. Oh my god. Et tilago qui a fait tichita, tiroule. Putain, ça n'a pas fait. Oui. Marez yeux. Oh my god. La devie Chita, c'est libre à lui même. Bon diable. Il faut contre il va qu'à jouer. Oh, green là. Ça c'est le roman célibat. Mes amis, nous allons causer. Oui, mettez. Marez yeux, chéri. À la traque, papa. Mon yop joué, frère et soeur. Puis, marez vite, ok. Qu'on y a là, nous yon ap cherché l'autre. Ouais, nous yon ap cherché l'autre. Cherchez. Et vous, 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 Aïe, c'est libre à rentrer dans la jette là, tout oui. Profite même. Ya. Kembel, petit beau. Qui de l'autre là, m'a fait ma carte toujours. Petit beau. Oui, continuez à jouer. Nous allons recroiser encore pour nous retoucher. Il y a des femmes qui parlent moi. Alors, par contre, sont négou, mais. Petit beau encore, bébé. Petit beau. Prends langue. Oui, level. Prends poids bagaille là, oui. Et c'est goûter, ou goûter dans la fête, mon faut prendre poids. Faut fourrer mon fond. Vous êtes en gros boucher. Oui. Côté là, la velle, gars. Ah. Pour mettre là, t'es sans faire là. Avec vous qui t'as fini goûter là, comment regarde, on va si bon encore. Et puis chita chita, on va se sembler au bras de marie. Hé, y'a la drague à papa, non, frère, c'est ça bien aimé. Ou célibataire, mais ça pas empêche au mouillé lève, et ça me doit là, ou je n'en si bon. Ah, drague à vous l'avez caïté, papa. Pas qu'elle la compliqué. Mesdames, mademoiselles et messieurs, m'a annoncé ou, eh bien, dans le jour qu'a vini yo là, gayon liste non gang, ak non moun ka finance yo ka privé dans conseil sécurité l'ONU, et par divers services intelligence de différents ambassades ka travail activement sous territoire pays d'Haïti. On pense yo ka checké c'est NDDR parce que l'in gen 11 familles ka pote zam, comprenne, et gen vol ka bay client yo tout. Ça très important. N'a fait un coup de pied dans pays là oui si ensemble avec Ukraine nous connaissons une guerre qui a déroulé l'autre bois plus passé 6 mois frères. Oh oui. Dans pays où ici pourquoi ça mesdames yo fait yo décidé rentrer dans la guerre mais c'est pas vous même qui a levé ca dans guerre non. Depuis ces garçons qui pas occupé petit yo. Bon bien dit. Depuis ces garçons qui pas payé pension alimentaire, yo porté plein pour, et puis sortant de yo vin brown, yo al dans la guerre ensemble avou. Yo al avou Ukraine pour al bataille. Un pays a un service ou là ou pas occupé petit tout. Donc, mesdames yo prend télévision, yo dénoncé messieurs yo. Malgré gen nan yo qui divorcé, nèg la gen refè vil oui. Depuis ou t'es passé un mois ou pat bay ti l'argent pour ti moun nan, eh bien, yo pote plainte pour. Gen yon media investigation la wisi ki rele Verst K, ki fait qu'on est gen yon femme ki rele Lilia, li déclaré ex-maril te condamné à divers travail correctif, parce qu'elle li pat paye pension alimentaire. Mesdames nan di, ça pas utile en yen. Parce que, les gon petit 17 l'année, monsieur pas joué aucun rôle dans l'éducation petite là. Donc, Lilia vle, pour yon voye monsieur Ukraine, li ka servi là quand même. Et même s'il mourit tout, ça pas trop dérangé. Oh, la femme. C'est dans la guerre, c'est garçon qui a mouru. Tic-tic là, ou dans des garçons qui a mouru. Garçon. Gon moment ka brivé pral gon raté garçon sous la tête. Mesdames ti so gen nan mon nan. Bezel di, prend soin. Priye pou li matin midi soir parce que me senti pral gon raté garçon dans le monde même j'en ouais gaz commencé ra. En tout cas, la gen averti patiye kokobe. Parce que dame nan ki fin chou pou yo voye merci nan la gen. L'autant de gè yon soldat qui tombe dans la guerre, eh bien, l'État bay fami moun sa, yon total de 880 000 euros, frères et sœurs.
Donc, si monsieur a mouru dans la guerre, la bien t'il l'argent, parce que garçon va y t'il l'argent, si mon a joué si comme ça, à la traque pour la vécaïté. Quand c'est ça bien aimé, gagné secrétaire d'État américain, qui c'est Anthony Blinken, et nan jou kap vini yo la pou mbien di, jeudi si Dieu veut, la vge pou le rentrer Canada. Nan objectif pou le discuter sous deux pays. La guerre en Ukraine ensemble avec crise humanitaire dans le pays d'Haïti. Ak opération sous immigration, logement pour réfugiés, d'après ça, département d'État fait qu'on est. Anthony Blinken pral rencontrer ensemble avec Premier ministre Canada, Justin Trudeau, ak ministre Affaires étrangères Canada, qui c'est Mélanie Joly. Et département d'État a bien pour visiter Ottawa ensemble avec Montréal. Tipa, professeur bien-aimé, nous sous 2 mois, oui, là, l'école, pour que j'aime capable l'ouvrir. Tandis que petit, tout gros autobré, dans le pays, kaito ton sam, dans le pays colonisateur, yo, apprend bête, apprend, avancer. Tandis que petit, nous, malheureux ak malheureuse, si moun yo poko capable rentrer l'école, ou yo ta konne, j'ai aga, nan fey malanga. Donc, m'a toujours dit nous ça peut pas ici, si spon vote vacabon, si spon vote moun ki pa gen intérêt dans pays d'Haïti. Si autorité yo, petit yo te nan pays ya, madame yo te nan pays ya, lè kon sa pays d'Haïti ta bien sécurité déjà. Parce que moun reme wap toujours bataille pour pas victime. Si petit yo te la franchement yo ta bataille pour que gagne sécurité pour ti moun yo à l'école. Yo pa gen aucun intérêt, c'est juste un job yo vin faire pour yo vin ramasser l'argent et puis pour yo virer do yo yo aller. Donc toujours bataille pour voter moun ki gen intérêt dans pays d'Haïti, qui remet pays ya, qui vle pour avancer, qui vle pour vin yon bagay demain. Donc frères et sœurs bien-aimés, là dans Claircine, gon l'école li même c'est audio le fait voye bay parents, ou paye l'école là et puis s'entendé ya, ou travaille ensemble avec ti moun. A la traka pou la avec a été papa. Bon, bien que nous connaissons que yon parents qui remet ça, yo remet là ou met petit yo l'école et puis yo dit mes amis petit, l'école là cher, ou m'appelle l'école bien cher. Oui, c'est pour juste yo ka fè style sous voisine sous côté parce que voisine nan metel petit nan petit démêlé chez toto. Moi me connais gon l'école Saint-Marc. Bon, moun se maga ge problème avec net. Mou konne gon l'école se maga, kon sa parent yo fe. Parent yo fe réunion. Yo mande pou directeur pou monte l'école la. Pou n'importe moun pa gen accès. Pou yon vin mette petit li l'école la. Pou l'école la ka noumbe on pi chè nan zon nan. Tel kote petit moun l'école, j'en l'école sa chè nan travail bien du. Aïsi remè di sa ou. Aïsi remè pren plaisir nan malèl pou la expliko kantite souffrance li pren. A la traka pou la vekaite. Bon, depi la nou tal pren sénateur Rika ki tap krasé normalement, nan lagel nan tèt ministè planification, tandis que même pou tèt li ak famil, li pa ka planifye, bon de deja ou bagay la, a pa grave plis toujou. Frase se bien aimé, bienveni nan Haïti la République des coquins, et se sel volé ou kaprete. Gade image sa, combien nan nou ki sonje époque sa? Adje la vie sa ou. Combien nan nou ki sonje époque sa papa ici? Combien nan nou ki sonje? Gade image sa, sa se Port-au-Prince oui, avant la démocratie. Port-au-Prince avant la démocratie. Image sa encore, c'est toujours Port-au-Prince avant la démocratie. Port-au-Prince avant la démocratie, nous te kon fè sucre. Nous te kon fè sucre la kay nou. La démocratie mette pied blip, nous krasé toute usine pour nous faire moucher les blancs pelezi, pas vrai? Pour nous montrer qu'on gen gros amis, nous respecte yo, n'ap fè yo cadeau. Nous krasé toute usine, nous krasé production. Et puis qu'on y a là, n'ap acheté nan men yo, tandis que t'es nous en capable de faire. La traka pou la vekaite. Nous refuse travail pour nous katon aide. Nous refuse prendre responsabilité nous pour nous commander. Nous refusons prendre responsabilité nous dans bagay qui positif qui bon pour pays mais les pour nous touyer nous mettre tête ensemble. Nous cherchons blanc, nous cherchons tout le monde net, nous payons gros l'argent pour faire lobby. Mais coup pour nous font bagay pour pays à nous pas capable. Vous ne jodi a dirigeant au quoi ces pieds à garder nous. Allez qui les frères c'est pas gain organisation droit moun. Pas songer les Jovenel Moïse de la Jean bagay la té. Ou par rapport,
tic-tic-crac ou dans des rapports qui sorti sous massacre. Combien de rapports massacre qui sorti pendant le dernier moment? Tic-tic-crac ou moun mouri, frères et sœurs, ou dans des gros manifestations qui étaient faites dans le pays. Ma problème de gros accident qui étaient faits sous ta aéroport, frères et sœurs. Accident ça qui étaient transformé gros manifestations. Moi, voyez, président, les élus qui fait moun yon manke mouri. Vous rappelez? Tic-tic-crac, gros manifestations. Journée jodi a c'est même moun ki té des mouvements ça c'est même qui dans tête pays a allez qui les une série de gros milat nan jou passé qui tap dou oui Jovenel Moïse dictateur dictateur journée jodi a Jean bagay la grave dans pays a pas grand rien kap marché m'attendé au di ouais non bon il pas marché pour nous mais pour yo ça va est-ce qu'on comprend donc l'on sorti là et puis ouais c'est dans sort tomber franchement te ka faut ta bay des ordre ta pour dire qu'est-ce qui a passé là. A pas m'te dit chi même, gade kote m'soti pou m'toube nan samye journée jodi. Donc, nous capables de comprendre, jou, nous resi konne importance production nationale nan pays d'Haïti. Mou chè m'ba kache di nou nap gon lot. Malheureusement, peuple la vin très vicieux. Et pour retirer un défaut qui fin donne nan yon ti moun, m'ba kache di ou ap passe misère, ou ap bali kout bâton, ou ap dérange lou. Ou ti sa kap vini de yo, yo façon pou yo kapab leve avec un bon exemple pou yo apprendre pour responsabilité. Voici ça bien aimé, bienvenue dans Haïti pays spécial. Hein? Haïti pays spécial, donc gade image, ça c'est port de paix. Moun port de paix, chapeau ba. Gade image la frère, moun port de paix, chapeau ba pou nous. Bon, c'est chance ou pas, ouais, c'est machine qui a bralé, comment ça, les chaloupes, canotte, exact. C'est chance, ouais, c'est pas machine qui a bralé, canotte, là, sous la mer. Voilà, this is my country. N'a pas suspendu voter volant. Oui, ça, c'est, ouais, ça me dit là. Fouille. Travaille, nous, ouais. N'a pas suspendu voter volant. L'homme, mon homme, d'un coup, évalué à beau plan, qui a vu une vidéo l'huile. Sous tête monde pour tout yé moun nan Port-au-Prince. N'ap suspend vote vaka mon ti vicieux. En tout cas, j'aime toujours remè dil papa Ricite. Haïti dictature, c'est l'appel des Antilles. Haïti démocratie, c'est la république des coquets, c'est le volé au cabrité. Qui vivra verra, qui mourra kakara, n'a fait place à voix de l'Amérique, presse information nationale et internationale. Rendez-vous cassé dans un petit temps. Qui pas tout là. Mesdames, Messieurs, bonsoir. On l'a fait encore. Merci d'être choisi VOA Creole pour informer après-midi. Actualité à mener nous d'abord dans le pays d'Haïti, côté que gros crise carburant qui a saccagé pays a fait que les États-Unis voient gaz by ambassade américaine dans Port-au-Prince à travers avion qui atterrit dans l'aéroport Toussaint Louverture. Yves Manuel, c'est correspondant nous dans Port-au-Prince. Depuis dimanche qui s'est passé là, aéroport international Toussaint Louverture recevoit chaque jour deux vols US Air Force. Avion militaire américain transporte gaz pour capable alimenter ambassade américaine selon information nous joignent sur place. Militaire américain souvent accompagné de corps sapeurs-pompiers aéroportant dans livraison gaz lan. Opération ça a continué dans aéroport international Toussaint Louverture juste dans commencement mois novembre 2022 qui a venu là. Le pays a fait face à une rareté de gaz depuis près de deux mois. Pendant ce temps, Bandi Axam bloqué Varo, qui est le plus gros terminal paysan. Pendant qu'il a préclamé démission Premier ministre Ariel Henry. Dans un moment, côté insécurité, violence gangue, sans compter situation humanitaire qui vient plus grave, Agence États-Unis pour développement international, USAID, déploie tout et une équipe élite intervention 6 ou 4 à une catastrophe dans le pays pour capable répondre à besoins humanitaires pressants. On a souligné l'aéroport international Toussaint Louverture pas attiré grande foule dernier temps à cause situation malouque pays. Passagers qui pas entré plongé dans chômage, association chauffeur guide touristique dans l'aéroport qui habitué transporter touristes les entrant dans le pays. Pendant ça, proposition États-Unis d'Amérique là qui mandé dans Conseil de sécurité des Nations Unies pour déployer une force sécurité internationale dans le pays hein, à brûler l'huile. Selon information journal Miami Herald qui citait diverses sources, aucun pays pas porté volontaire pour ta fournir troupes dans le pays jusqu'à présent. Selon journal là, États-Unis pas gain capacité pour motiver Conseil de sécurité sur nécessité pour voyer troupes dans le pays d'Haïti. T'a semblé envisager faire retrait sous décision ça. Moi c'est Yves Manuel depuis Port-au-Prince pour VOA Creole.
Merci Yves-Manuel. L'autre point dans l'actualité, c'est la réaction qui continue de tomber après l'attaque qui fait hier mardi 25 octobre sur le journaliste Le Nouveliste Robertson Alphonse. Nouveliste qui présentait l'incident comme une tentative pour assassiner le journaliste. Ça fait qu'on est que le présentateur vedette programme Planète Magique là, eh bien, l'a récupéré alors qu'il subit deux opérations hier mardi et même jour. Incidence là. Donc, ça veut dire qu'il y a pile monde qui croit que son attaque qui fait contre liberté la presse, liberté la parole dans le pays d'Haïti, t'as qu'on était capable d'entendre Guilherme Sedelva, qui c'est secrétaire général SOS, journaliste, et il dit que gain l'autre poursuite, l'autre suite qu'a bail à incidence là. Et puis, toujours sous même dossier, gain Jacques Desrosiers, secrétaire général AJH, Association Journaliste Haïtien, lui demandait autorité en place pour y prendre décision nécessaire pour sécuriser et à garantir droit journaliste haïtien qui souvent victime dans exercice professionnel. Correspondant nous Ronan Toussaint parler avec responsable. L'année 2022 ça pas bon dit tout dit tout par rapport à travail journaliste haïtien yo. Après double assassinat Will Gaines, Lucien ak John Wesley Amadi la boule 12 6 janvier 2022, Maximen Lazare 23 février 2022 qui t'a couvri manifestation sur route aéroport Port-au-Prince. Disparition Tyson Latig ak Frensen Charles Cité Soleil 11 septembre 2022 ak Gary Tess qui te disparaît depuis 9 jours que yo joine cadavre li 24 octobre 2022 nan ville Okay. Dernier en date là c'est journaliste Magic 9 ak Le Nouveliste Robertson Alphonse que secrétaire général Association Journaliste Haïtien AJH Jacques Desrosiers condamné et puis mandé autorité en place assumé responsabilité. Yo. Nous condamnons Zaksa sans acquis révoltant en voie qui prouve comment la situation journaliste est compliquée ici en Haïti. Nous condamnons Zaksa et nous demandons autorité yo pour yo dégager comme Jean-Jacques pour chercher identifier le monde qui est auteur Zaksa et traîner devant la justice. Autorité en place n'a pas adopté aucune mesure nécessaire pour garantir sécurité travail et la pression. Hier mardi 25 octobre 2021, yon groupe policier qui t'a cherché à arrêter yon militant politique sous champ de masse, crasé ak bal caméra, journaliste caméraman, télévision nationale d'Haïti, ak radio télé Bakandal, Joseph Michaud qui t'est dans exercice professionnel, Ouenan Toussaint pour VOA Créole, Port-au-Prince. Merci Renan, toujours sous même dossier, la presse là dans le département sud, plus précisément dans la ville Okay, yon groupe moun prend la rue pour demander justice pour un journaliste qui mourit. Correspondant nos gens Ernst Eliskar, gen détail. Population Foucault, 4e section, Laurent, commune Okay, découvrit corps sans vie. Animateur émission débat politique qui passait sur Radio Le Bon FM Okay, Tess Gary, après 7 jours de quitter Kaili. Ces frères victimes nan Vanotes ak madame Tesgari qui t'est arrivé identifier cadavre là qui t'est défiguré. En réaction, un groupe moun nan Okay t'est prend la rue. Jeudi mardi 25 octobre 2022 a pour demander justice pour famille victime nan. Bilan, un jeune garçon blessé ak bal pendant mouvement protecteur citoyen maître Renan Edouville. Dans une note, les publiés condamnés assassinat ça et mandé instance qui concerne yo pour prendre toute disposition pour assurer sécurité travailler la presse yo. N'ap signalé chef paquet Okala déjà l'ouvri yon enquête sous dossier côté écrit digicel pour mandé faire joindre tout numéro qui t'est parlé à Tesgari mardi 18 octobre 2022 ya. Jean-Ernst Eliskar, VOA Créole, Okay. Ou toujours sous VOA Créole, observez un programme en langue créole haïtien qui c'est Rendez-vous Info. Donc, après-midi encore, comme d'habitude, 5 à tapant, n'a pas tant nous pour l'autre édition, troisième mi-temps. N'a pas retourné dans l'actualité dans le pays d'Haïti, activité gangue continue à avoir un impact négatif sur l'activité plusieurs secteurs dans la vie nationale. Massado Vilme, c'est correspondant nous, dans Port-au-Prince. Activité gangue dans pays Haïti mettait sous soulèvement populaire qui déclenché dans pays ak yon crise sanitaire pour ne citer ça ou seulement paraît sans conséquence sur la vie quelques professionnels. Akenson Belize yon promoteur haïtien très populaire tout monde connaît son nom Zagalo
a expliqué que la situation ça affecte. Pas de moyen pour me produire. Et puisque si me produit, les bons droits faut me payer espace là, faut me garantir que m'a gagne mon tap sorti, les bons droits et faut me payer promotion, faut me payer groupe yo, si c'est un groupe à l'extérieur de pays là, dans diaspora faut me payer billet d'avion, tout ça aussi pas garanti, on pas ca produire un spectacle. Mais nous pas ca faire semblant pour gouvernement, nous pas ca faire semblant pour population puisque nous même tout c'est comme ça nous paye bill nous. Si nous investir dans un spectacle, n'expect que nous joignons un public qui est en grande quantité et qui répond et pour nous capables de payer billets. Donc, si nous n'avons pas un pays, une atmosphère qui est bon, nous pas capables de faire. Et une situation qui n'est pas différente pour une artisan femme qui est spécialisée dans confectionner bijoux. Moi, c'est Jessica Devieux, mais allez, moi, j'ai un copain moi qui c'est Rose, qui a tissu, qui fait des bijoux et accessoires en tissu. Et moi, on fait activité ça depuis novembre 2017. Ben normalement oui, la situation pays a fait grand impact et des fois nous on a envie décourager mais et j'aime dire là pour faire artisanat et gain des bagages pour faire faut qu'on gain passion, faut qu'on remel sinon sous pas même pas gain passion ou pas travail. Oui, touriste pas entrer, oui pas gain activité fort qui fait mais nous toujours travail parce que c'est ça nous remet, c'est ça nous remet faire en tant que femme parce que femme nous connaît nous très persistant. Nous très persistants, donc c'est ça me fait. Oui, situation pays a fait bah pas marcher, j'en ou t'as doué marcher. Mais nous toujours travaillons, nous toujours font gens, nous motivés pour nous travailler, nous toujours poster. Et nous pas vendre en quantité, mais nous même tout, nous toujours continuer travail. Et nous fait produire, nous vendons avec toute catégorie de monde. À quelques jours fait guider, nous pas remarqué aucune affiche qui annonçait activité pour déroulement festivité si là. Depuis Port-au-Prince, moi c'est Massia Dovimi, au VOA Créole. Merci, Massado Vilme, ou toujours sauvé au Acréole, ou suivi un programme en langue créole haïtienne. Actualité électorale par boycite aux États-Unis, eh bien, débat à fait alors que PIA a pris direction, élection, ça aurait l'élection mi-mandat, qui fixé pour mardi 8 novembre 2022. Il y avait Valério Saint-Louis, Valério qui est en studio avec nous. Et Valério est dans New York et il y a un débat qui fait hier soir et c'est parti débat. Débat est très intéressant, Jacqueline. Débat sous justement pour chaise gouverneur dans la Cour New York. Un débat qui est important. Parce que ces deux candidats qui yon en face l'autre, nous gen actuel et gouverneur qui c'est Kathy Hochul qui lui-même et ben l'a gardé pour rester Kachita sous chaise bouée, arrêter Chita face à Liz Elden lui-même qui t'a remé prendre place ça. Donc son débat tellement intéressant que en pile monde t'a suivi li et faut nous dire tout que dans débat ça et yon chouté sous l'autre Jacques là, yon chouté sous l'autre et débat intéressant et c'est comme ça que nous pral loin dans débat ça dans reportage que n'a gagné hein, côté que et ben républicain avec démocrate, il y a Petro qui connio mais faut nous dire c'est un état qui en majorité démocrate et fois ça grand républicain qui t'a aimé prend chaise en garder bataille pour chaise gouverneur New York là dans élection mi-mandat qui presque arrivé pour monde à voter jeudi 8 novembre ça continuer à chauffer dans un débat télévisé entre actuel gouverneur New York là Kathy Hochul face à candidat républicain Liz Elding monde qui pral voter ont une chance découvrir deux candidats yo. Débat est déroulé sous plusieurs thèmes coure criminalité avortement à attaque sous Capitole américain c'était seul débat télévisé ça qui était fait dans campagne électorale là pour poste gouverneur dans l'état New York candidat Kathy Hochul continue à attaquer Liz Elding sous question avortement à support li pour ancien président Donald Trump pendant que Elding beaucoup de parle te promet pour annuler réforme justice criminelle libérale yo il était lui-même critiqué Hochul parce qu'elle était en faveur pour le voter plusieurs millions de dollars par organisation qui fournit service avortement, ça qui crée une augmentation de la quantité de patients qui soutient dehors l'État New York là, pour venir faire avortement. Hochul t'a marqué point sous Elding comme candidat qui t'a nié élection présidentielle yo et puis qui t'a nié changement climatique là pendant que t'a essayé connecter candidat républicain avec Donald Trump qui beaucoup t'a parlé pas fin toi gain support moun New York yo. Dans moment côté modérateur débat t'a demandé candidat Elding s'il t'a voté contre certification résultat yo encore Elding pas répondre directement oui ou soit non. Knowing what you know now. Lors qu'on est ce qu'on est jodi a, est-ce qu'on t'a toujours voté pour certifier résultat élection 2020? Elding répond. Vote là t'est fait sous deux états, Pennsylvanie et Arizona. Et puis problème n'a toujours été même genre aujourd'hui. Soit gain un moment, c'est plus urgence dans affaire la santé avec des désastre naturel. Constitution a dit que c'est législateur l'état yo qui pour gérer administration élection dans état pa yo. Il continue pour dire que le veut concentrer sur l'avenir et puis goumen pour instaurer loi sur identification voteur yo pour protéger intégrité dans élection yo. You basically heard Lee Zeldin say he would vote once again to overturn a presidential election. Nous entendez Lee Zeldin dit que l'état voté une autre fois encore pour renverser une élection présidentielle. Moi penser que c'est un
tout le monde te doit connaître. Dans mitan débat, Cathy Wokul te mandé Zelding. Is Donald Trump a great president? Est-ce que Donald Trump c'est un gros président? Réponds-nous, oui ou soit non. Zelding te dégagé dans la question, il te fait loin pour politique Donald Trump, là, sorti dans le dossier peuple Israël, là, passé sous politique frontalière États-Unis, arrivé sous façon de gérer pandémie COVID, là. Et puis, les modérateurs te demandé Zelding, s'il t'a pas accepté résultat élection, s'il t'a perdu, Zelding te répond. If you lose this election, do you promise to abide by the results? Well, first off, OK, avant perdu, c'est pas une option pour moi. Deuxièmement, jouer ensemble avec question hypothétique, m'a répondu oui. N'a pas rappelé que Cathy Wokul, c'était ancien gouverneur adjoint état New York, là, qui était prend poste gouverneur, après que prédécesseur, Andrew Cuomo, était démissionné. Candidat Wokul vient de gros avantage sous Zelding dans plusieurs bureaux de vote pour élection mi-mandat, selon certains observateurs. Candidat Zelding, bon côté parler, c'est un député républicain pour zone Long Island, qui était passé en pile année à gourmet contre une série fusillade, à clôture crime violent, attaque sans provocation contre passagers dans Trainville, New York, là. Il était un concurrent solide qui jouait de support dans un gros parti électoral qui n'a non état New York, là. Il y a quelques sondages qui fait qui t'a suggéré que pas ta grande différence entre candidats yo dans pourcentage vote yo. N'a précisé tout que dans l'élection mi-mandat dans l'état New York, gagne un pile haïtien américain qui dans course là. Valério et un pile haïtien américain, c'est pas seulement dans New York mais l'autre côté autour, mais New York là tournait yon côté spécial pour haïtien parce que grand pile en pile haïtien, mais qui ça est nan par rapport à candidat haïtien yo. Candidat haïtien yo d'abord faut nous dire. Ou bien américain d'origine haïtienne. Oui, tout à fait, on préciser. C'est ça. Haïtien américain et Jean Léo et ben grand pile nan yo et yo nan élection tout. Élection mi-mandat ça, yo très présent et yo certainement map courir là puis yo capable kembe siège yo. Faut nous dire, n'a répéter, n'a préciser que New York c'est a priori un état démocrate. Mais nous ouais, nan course et gouverneur depuis après 2006, c'est première fois que nous ouais selon sondage yo, et ben après que gouverneur Pataki lui même te prend chaise bourrée comme républicain, nous dit fois ça c'est un républicain qui essaye à manger siège là pendant que Cathy Wokul lui-même voulait qu'elle pour retourner sous question là candidat eux-mêmes haïtiens américains yo gien pile nan yo gien Mercedes Narcisse gien Rita et Joseph gien et un jeune encore qui lui-même enfin gien plusieurs mais ça yo que me saute cité là yo c'est des monde qui dans Brooklyn qui c'est bastion communauté haïtienne dans Brooklyn yo très m'ta dire très présent et yo gien pile chance pour y passer parce que évidemment yo démocrate d'abord et puis une communauté haïtienne tout qui est très actif qui est très présent dans les affaires politiques New York là qui certainement pourra voter pour candidat ça. Donc ce va être très intéressant qu'on a suivre et n'a précisé que VOA que l'a sous place pour élection, on a fait des spéciales émissions, n'a couvert élection un peu partout, élection mi-mandat certainement n'a couvert tout dans la cour New York, n'a porté des tas d'informations pour. Moi dernièrement pendant New York où tu parlais avec quelques candidats qui qu'on y a participé dans l'élection ça. Il y a participé justement par exemple et Mercedes Narcisse, notamment Mercedes Narcisse qui d'ailleurs dans le district côté lié à là pour moi même c'est une figure politique haïtienne qui est très populaire dans zone ça ici en américaine on précise pour qui ça parce que nan côté lié district côté lié là c'est première fois que il est arrivé jouer une chaise là elle tape bataille longtemps pour chaise ça n'a prend tout par exemple Rita Joseph qui dans district Pal nan tout et c'est une figure qui montait comme femme et il remplacer justement un haïtien qui était là déjà donc on pense que et candidat c'est très confiant et puis bon confiance en tout c'est parce que démocrate et comme on connaît Jacqueline est à New York là son état a priori au départ son regard démocrate. Donc il est censé prendre facile pour eux. Mais c'est élection, c'est je mardi seulement que n'a connait, je mardi 8 novembre ça que n'a connait effectivement qui gens et ben résultat élection à pied. Donc téléspectateurs comprennent que VOA Creole n'a présent plusieurs côtés, Valério à New York, oui. Bien que Valério avait nous Washington connait oui, mais là oui. New York pour dire nous tout ça qui a passé New York, mais il y a un bagage que moi en pile haïtien leader haïtien dit que il y a regardé pour dans quelle mesure que communauté haïtienne est capable de faire plus pression sur le gouvernement et américain par rapport à ce qui a passé en Haïti. Qui est la communauté haïtienne dans lui-même et par rapport à une idée comme ça? Oh, ils sont très intéressés, ils sont très concernés. Nous, ouais, que les gens sont différents. Et fois que yo par exemple, devant les Nations Unies, ils ont la rue Brooklyn, ils ont manifesté, ils ont fait un dévoi, parce que simplement, différents problèmes qui ont passé à Haïti ont reflété sur eux dans New York, surtout dans Brooklyn. Et pour New York, il faut nous dire que et lui ça yo qui jusqu'à présent chita sous chaise bourré pa yo pour parler d'élection mi-mandat yo tout yo même tout yo concerné à travers organisation faut citer non li qui est les Nyon qui c'est une organisation qui réunit majorité et ben élus haïtiens américains aux États-Unis d'abord comme il y a en pile dans New York donc yo présent yo pensé à ça qui passe en Haïti a gien qu'a organiser soit des réunions des conférences et des chita attendez sous question haïtien donc c'est sûr que ça qui passe Haïti a profiter surtout question sécurité, surtout question gang,
gang, surtout question bandit, hein. Donc, il est très présent. Donc, je pense que dans l'élection, ça a tout. Et pour électorat haïtien, puisque on dit que c'est pas une élection seulement pour haïtien, c'est une élection aux États-Unis. Mais pour électorat haïtien, ça peut jouer en faveur des candidats qui, par exemple, t'es très, et t'es prend la parole, t'es très vocal, on nous dit, dans prise de position vis-à-vis de sa capacité en Haïti, Jacqueline. Merci, Valérie. Je n'ai dit Valérie pour ne pas quitter nous. Et, pas qu'à dire pas quitter Washington du tout. Mais, en attendant, n'a dit pour le programme n'a pas quitté nous. N'a prêté toujours dans ici aux États-Unis, gon l'autre point qui dominait actualité. Et nous allons rejoindre Serge François Michel, qui lui-même quittait Floride, qui avait nous dans Washington DC. Il y a un groupe démocrate qui présentait comme démocrate progressiste, qui fait une lettre sortie, mais rapidement entre lui. Fred et Serge François Michel, dis-nous, non, ça que tu as dans la lettre, ça, au juste? Bon, Jacqueline, il faut dire que l'être l'a dit que faut que les États-Unis changent de façon liée à la guerre dans l'Ukraine. Et que faut que faire aux gens pour faire diplomatie parce que la guerre cause en pile, mon a mouru, mon a souffri. Et qu'une crise grand coup qui pétait en pile côté parce que pas gagné assez manger et puis prix gaz a monté. Donc, nous attendons plus de détails et puis après, nous retournons, ça dit Jacqueline. 30 démocrates dans le caucus progressiste chambre représentant États-Unis ont rentré en lettre quand ils ont exhorté Maison-Blanche pour négocier une entente pour mettre fin à la guerre à Russie dans l'Ukraine. Non, d'après ça, la tête caucus-là, député Pramila Jayapal, fait qu'on est mardi 25 octobre. Là. Caucus progressiste dans le Congrès a rentré l'aide qui était voyée dans Maison-Blanche, ça n'a pas gagné longtemps. Sous question Ukraine, non, c'est ça, Jayapal dit dans un communiqué, il a ajouté, l'aide là depuis plusieurs mois, mais malheureusement, quelques employés bureau ont été publiés sans poser question sur lui. Dans une lettre, journal Washington Post est premier rapporté, parlementaire Audi et fort diplomatique a dû entrer dans Jean États-Unis aborder question pour mettre fin à la guerre. L'être là te dit qu'il y a un effet catastrophique sur le peuple ukrainien et menace la distribution manger dans le monde là et a déclenché crise misère à cause prix carburant d'arrêt qui a monté dans le monde là. Serge François Michel, VOA Creole. Et Serge parlé et qui dernier développement oui. Gain sous Kassa parce que et démocrate qui demandé pour président Joe Biden pour négocier directement avec le président Poutine. Donc, il semblait que il fait back sur l'être là, d'après ce dit. Bon, tout d'abord, il faut nous dire, Jacqueline, que le député qui était à la tête du mouvement écrit l'être là, c'est Pramila Jayapad, il dit que il prend responsabilité pour l'être là qui sortit, même l'être sorti par erreur. Il dit que c'est un employé qui mettait le pas dit. Il va dire yon, mais il y a un employé qui mettait le d'ailleurs par erreur. Et lui-même, il prend responsabilité pour erreur qui passait. Mais il y a un point commun entre le premier lettre là avec le deuxième qui annulait le premier. Il dit que toute guerre finit avec négociation. Et que guerre ça tout, guerre pour finir avec négociation. Il dit tout que, mais ça qui est différent, c'est qu'il dit la finir avec négociation, mais après victoire Ukraine. Donc ça veut dire, ça veut dire. Merci Serge François Michel qui était en Floride, mais qu'on y a qui retrouve nous dans Washington DC pendant ce matin, ça fait nous plaisir. Même gens avec Valérie Saint-Louis, on dit que président. Et Tchoukla, Recep Tayyip Erdogan, lui-même lui dit que eh ben, président Poutine est plus sous négociation que dans le commencement de la guerre-là. Et il dit que lui croit que puis bon, bagala, c'est d'ajouter une négociation pour finalement conflit s'ata fini. On dit Dmitry Peskov, qui est porte-parole et Kremlin. On a parlé de ministère des Affaires étrangères et Rousla. Eh ben, il a même dit que président Vladimir Poutine, depuis le commencement du conflit, il était toujours sous et négocié avec l'Ukraine. Donc, une situation qui est très compliquée. Pendant ce temps, il menace tout que la Russie a utilisé des armes nucléaires. Et président Joe Biden, on l'autre fois encore dit que eh bien, si la Russie a utilisé des armes nucléaires, c'est un gros erreur que le tap fait. Donc, c'est toujours une menace qui est toujours là, mais États-Unis toujours Québec, même position, il dit que le pape gen gagnant dans une utilisation des armes nucléaires. Donc, une situation que n'a pas su pour, parce que l'Ukraine toujours été dans
actualité. Ou toujours sous VOA Créole, ou à suivre un programme en langue créole haïtien. N'a pas retourné dans le pays d'Haïti, côté que nous prenons dans le département Grandens, plus précisément dans la ville Jérémy, côté plusieurs organisations femmes et réseaux organisations jeunes, ils ont même été réfléchis sur un paquet de gros problèmes que région a confronté. Nous sommes sous place, correspondant nous, Mackinson Charles, la parle avec nous depuis ville Jérémy, dans le département Grandens. Nous avons rencontré avec une exposition qui est faite dans le local Cadédois Peters, dans la ville Jérémy, journée lundi 24 octobre 2022. Plusieurs organisations femmes paysannes, organisations femmes, organisations jeunes et réseaux, organisations qui sont dans la commune Bonbon, Chambellan et Beaumont, qui mettaient ensemble pour réfléchir sur la situation femmes dans la commune face à problème la mangeaille, rôle femmes dans l'économie sociale solidaire et durable dans le milieu rural. Dans l'occasion de la journée internationale femmes rural, qui célébrée chaque 15 octobre, est arrivée sortie avec une déclaration qui porte le nom Déclaration Femmes Paysannes Gradancio. Kangas Mila, coordonnatrice AFPB dans Beaumont, Bayon extrait. Depuis après cyclone Mathieu, condition la vie femmes paysannes dans Gradance, bin pire grave chaque jour. Mettez sous ça, phénomène insécurité, kidnapping, prix gaz qui augmente et qui vient plus mettre accès sous clou. Qui la cause manger femme paysanne yo a fin pourri dans jardin. Kek nan yo pas cacher indignation yo dans occasion si là. Parce que nous c'est mon dehors dans l'école nous pas ca jeune travail l'état bloqué pays à l'en nous. Jodi a après le mois pour rien qui ferme l'école, qui peut payer social yo a manger. Vous lancez appel ça à chef gouvernement. Nous mandé est-ce que s'il pas est-ce qu'elle pas passer l'école? Qui fait le propre pays ça torturé comme ça, qui fait l'école pas qu'à ouvrir, rien pas qu'à fonctionner, malheureusement pour un grand coup, tout le monde finit dans le pays d'Haïti. Nous disons s'il vous plaît, débloquez le pays à nous, parce que nous ne pouvons pas avoir. Dans le pays, au moins 35 à 40% pour produits, nous faisons, produits agricoles, nous avons perdu. Fait que nous mal conditionnés, nous ne pas transformer. Il y a une situation qui déjà la guette des bras prendiers, en pile femme paysanne qui a fait commerce dans le département de Grandens. Depuis Jérémy, Mackinson Charles pour VOA Créole. Merci Mackinson Charles qui s'est correspondant nous dans Jérémy, dans le département Grandens. Nous rejoignons et Valério Saint-Louis, l'autre fois encore. Après, depuis Valério, là, on a parlé de New York. On a parlé de New York. Et nous parlons de bail qui concerne les Haïtiens, ces questions d'immigration. Nous voyons que avec question immigration, deux partis, principales parties et aux États-Unis, démocrates et républicains, eh ben, ils viennent face à face dans la question immigration, au point que, eh ben, gagne un gouverneur Abbott qui voit un paquet de monde, oui, dans New York, parce qu'il dit que, eh ben, c'est comme son président démocrate qu'il a, et que gon magistrat qui est démocrate tout, donc, ils ont même, ils ont lagué Mounsayo pour être capable de régler le problème d'immigration. Mais qui ça nous a dit sur ça, Valérie? Tout à fait. C'est un bagage que justement, maire New York lui-même, M. Eric Adams, lui dénoncé. Il dit carrément que gouverneur Texas, Eric Abbott, lui comme si servi avec cause immigration, hein, comme un zam politique. Il dénonçait ça, il déplorait ça tout, et c'était comme un chirépide qui était gagné en deux officiels. Et côté que Eric Adams, de toute façon, il dit que, eh ben, ville New York la prend responsabilité là, mais il recevoit immigrants ça. En pile là, plus passer 12 000 immigrants rentrés dans ville New York là, et maire là tout est obligé et rapidement et débloquer l'argent pour capable construire un centre d'accueil pour immigrants ça. Un centre d'accueil qui journée jeudi a été monté pour recevoir immigrants ça en bonne et due forme. Les immigrants font nous dit qu'ils sortent dans pays et l'Amérique latine. Nan, mais nous pas jusqu'à présent voir que pas un rapport ou bien reportage de haïtiens qui t'a sorti, qui t'a rentré parmi immigrants ça Jacques. Bien que normalement et en général ou même qui t'es allé sous frontière, ouais, États-Unis partagé avec Mexique là, toujours gain haïtiens et parmi monde qui sorti dans Amérique centrale, n'a parlé de Amérique du Sud tout, Venezuela, oui, Colombie, Bolivie, Guatemala, toute équipe ça yo, mais et, il arrive que statistique yo pas parler de haïtiens, statistique yo pas parler de haïtiens, bien que grand pile centre dans Brooklyn New York que nous connais nous même dans VOA que nous visiter yo, nous fait des reportages sur yo côté que il y a des organisations qui ont même à recevoir immigrants qui grand pile haïtiens qui justement sorti et sous frontière là arrivent joindre yo, mais dans cas pas ville New York là, maire Eric Adams, enfin bataille ça entre maire Eric Adams et gouverneur Texas, nous pas connaît si dans bus sorti sous frontière Texas, il est arrivé entre tout dans la cour New York, n'a pas suffou quand même. Oui, donc ça veut dire question immigration qui prend la mi-temps, ah, oui, et qui prend la mi-temps et élection mi-mandat, ça c'est un gros sujet. Gros sujet, ouais, et à côté de avortement et l'autre et sujet Ukraine sans doute après question, hein, mais nous ouais que eh ben ça intéresse haïtien parce que c'est question immigration et faut dire que c'est pas seulement nous
York, gen, yo recevoir oui. Boston voye. Boston justement. Et puis Miami voye moun tout. Miami justement. C'est et puis yo voye là. Ici dans tout Washington DC, Washington, yo recevoir de tout partout. Et yo, yo même voye, yo pas voye n'importe côté, yo mette yo en face Kay, vice-président Kamala Harris, il faut le faire. C'est ça, tout à fait. Yes. Bataille politique quand même. Donc, yeah. Ouais. Et nous dit Valérie Saint-Louis, merci et n'a pratiquement arrivé dans fin programme, on dit que Pita comme d'habitude n'a pas le gagner troisième mi-temps nous côté que nous pral parler encore et Haïti m'te gen occasion parler avec Franz Duval qui c'est rédacteur en chef Le Nouveliste et qui rédacteur Ticket Magazine tout ben lui-même lui dit nous que lui parler avec Robertson Alphonse confrère nous et après qu'il t'ait subi attaque hier Madia et nous connaît qu'il t'a pral il t'a pral venir faire émission et puis ça crivé et ben lui attaqué le bandit attaqué et Nouveliste présenté le comme tentative d'assassinat mais monsieur Chapé en bas tentative d'assassinat nous même c'est un confrère nous présenter sympathie nous bah, le Nouveliste et nous dit monsieur prend rétablissement pour le guérir vite et pour le retourner faire ça l'habitude faire depuis studio 18 la voix de l'Amérique à Washington moi c'est Jacques Lebelzer moi monsieur Valérie Saint-Louis qui était avec dans studio me souhaitait que demain encore on a ensemble et puis Rob McLean thank you so much et puis nous dit ben gracias et puis tout l'autre monde merci en pile rendez-vous 50 ans pour et troisième mi-temps. Moi vous merci parce que t'as suivi avec attention. Merci pour fidélité ou patience. Moi braler m'a quitter on bras papa bonjour parce que c'est les mêmes celles qui capable protéger ou la vie avec la santé. Bonjour, bonsoir tout le monde. Non pas moi c'est Foucault et n'a croisé dans l'autre vidéo. Au revoir à la prochaine. Bisous bisous one love. Me ramasser paquet moi cause habitant pas miser la ville. Moi braler mais m'a quitter on bras papa bonjour parce que c'est les mêmes celles qui capable protéger ou la vie avec la santé. Bonjour, bonsoir tout le monde. N'a croisé dans l'autre vidéo. Au revoir.